Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Il est 13h, enfin il est 1h moins 5 et nous sommes mercredi 17 juin 2020. Voilà. Donc alors, on a fini de manger. Je vais pas tarder à me reconnecter, mais avant, je voudrais aller chercher mes clés de voiture pour aller chercher ma clé USB pour mettre ma nouvelle playlist que je me suis faite. Mettre dans ma voiture, il faut que je les copie-colle. Est-ce qu'il y a du monde dehors? Est-ce que je sors avec mon appareil? Est-ce qu'il y a le trépied et tout? Bref, ouais. En fait, je me suis fait une playlist des années 90 avec des musiques hyper punchy. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez parce que c'est quand le lundi, je crois, je sais plus trop quoi, ou le dimanche, j'ai fait des stories de ouf avec les musiques. Tout le monde avait ras le cul, même moi. Mais bon, c'est comme ça. Je saurais que si les voisins ils me voient là, je suis refaite. Refaite. Un voisin qui arrive. Petite clé. Je suis super contente parce que ça, j'adore quand ça pulse des fois et tout. Ça va me mettre en jour. Je vais les mettre aussi sur une clé pour la voiture de David. Ce qu'il aime bien, c'est ses chansons en fait. C'est ses chansons à lui. Oh. Oh putain, la couleur. Les chansons qu'il aime écouter tout simplement. Enfin voilà. Je vais essayer de vous mettre dans le vlog les musiques que j'ai mises. Je vais mettre pas trop longtemps. Voir si ça passe au niveau YouTube. Bah, sinon j'enlèverai, mais bon, ça pourrait être sympa. Bon, petite pause dès l'après-midi. Cette fois, je prends le temps de vous prendre. Alexis, aujourd'hui, il n'avait pas école du tout. Parce qu'on est mercredi, il est de l'après-midi, et que l'après-midi, les mercredis d'après-midi, il n'y a pas de classe. Et apparemment, à revérifier encore ce soir sur Pronote, parce que je vous dis ça change tous les 4 matins, mais apparemment il n'a pas école demain non plus parce que les profs ne sont pas là. Voilà. Bref. Du coup, tout à l'heure, il a un copain qui l'a appelé, lui a demandé s'il pouvait sortir. Et qui m'a demandé, donc je lui ai dit oui. Voilà, donc il a pris son téléphone et son masque. Ils sont partis à un terrain de jeu. Alors depuis, ils se retrouvent dans le collège, puis là, ils se retrouvaient au terrain de jeu. Que nous on appelle l'araignée, parce que vous savez, il y a un grand filet, on peut escalader, ça s'appelle une araignée, je crois. Donc, ils se retrouvent là-bas, ils vont rester là-bas, se balader et tout. Donc c'est cool, donc j'étais bien contente. Enfin, j'étais contente, oui, j'aime bien quand il sort comme ça, enfin, quand je sais où il est. Et... Après, je sais pas exactement ce qu'il fait, alors c'est toujours pareil, hein, mais voilà, il est avec son copain et je trouve ça très bien comme il a fait la dernière fois. Donc voilà. Donc j'ai bien dit de mettre son masque, de respecter tout ça, mais bon, après, je suis pas derrière, hein, donc pour vérifier, il y a de la poussière sur, ça, sur les pieds de sa chaise, je suis pas derrière pour vérifier qu'il le fasse bien, il me dit oui, mais bon, après je me dis de toute façon, il va prendre que la temps complet, hein, qu'est-ce que je fasse, bref, enfin, ça n'a rien à voir, mais bon. Bon, je pense que j'aime à croire, à penser qu'il fait attention en fait. Tout simplement. Voilà, qu'il écoute ce que je lui dis et puis voilà. Il va pas me dire bah non, non, j'étais à côté de lui, j'enlève mon masque. Enfin, bon, il va pas me dire ça, il va fou. Donc voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai des durs jours, j'ai toujours pas de nouvelles pour. Savoir si je reprends le 22, moi le 22 par rapport à ce que j'ai demandé. Donc à mon avis c'est mort, enfin, mais bon, j'aimerais bien savoir si c'est oui ou si c'est non en fait.
Voilà, si c'est non, bah, faudra que j'y retourne, hein. J'aurais pas le choix. Puis bon, je ferai contre une mauvaise fortune bon cœur, parce que c'est pas non plus un calvaire, c'est juste quelque chose de différent, une appréhension, tout ça. Bon. Voilà, j'ai pas. Alexis, il a son conseil de classe le. Je sais, le 23, je crois. Oui, c'est ça, mardi 23. Voilà, donc là, je pense qu'on aura le truc de. Pour le passage ou non quatrième, et puis le. D'habitude, on a le papier avant, mais. Truc à signer, on n'a rien. Et on. J'attends aussi la date, du coup, pour le retour des livres. Donc voilà, pour prendre les livres. Donc ça sent la fin de l'année scolaire. Vraiment, une année scolaire très particulière, très très particulière, franchement. On verra comment ça se passe à la rentrée 2020-2021, mais on n'y est pas encore et. Je n'y pense pas. Pour le moment. Donc voilà. Je vais descendre boire un coup. Peut-être grignoter un petit truc et puis je vais me remettre au boulot. Je prends pas tout à fait mon quart d'heure. Parce que voilà, j'aime bien. Enfin, quand je suis à fond, j'aime bien être à fond en fait. J'aime bien continuer à être à fond. Donc voilà, moi je reprends plus tard. Voilà, je reprends dehors. Il est 6h. Donc j'ai déconnecté il y a un moment déjà. J'ai quitté mon boulot. Je me sens le bras parce que j'ai fait un haul Yves Rocher. Je suis trop contente. Et j'adore. J'adore, je suis contente. Je vois qu'il y avait une bête. Je suis contente de mes achats, je suis contente des odeurs et tout, ça sent trop bon. Donc c'est cool. Donc il aura. Je pense que la vidéo elle sera en ligne le lendemain de ce vlog là. Probablement. Si tout se déroule selon mes plans initiaux. Donc le temps, je ne sais pas parler du temps. Hyper gris. Des nuages toute la journée, par contre il fait super beau. Bon, pas beau. Et voilà. Ouais, il fait bon, mais ouais. Le soleil n'est pas apparu. On le sent qu'il est derrière les nuages, on sent qu'il est là. Mais ouais, que dalle quoi. C'est vraiment un truc de ouf quoi. Toute la journée c'était comme ça. C'est chelou. Je me demande même si il va pas pleuvoir. On dirait. Enfin bref. Qu'est-ce que je veux dire? Donc Alexis est rentré. On est figuré. Alors Alexis, vous savez, il aime pas marcher. Dès qu'on va se balader, il râle, machin, truc. C'est tout un truc. Alors ça dépend les moments. Parce que par contre, quand on a été en week-end à Amboise, ça a été. Quand on a été à Étretat, qu'on a marché, tout ça a été. Enfin bon, bref. L'autre fois, quand on était à Versailles, ça le saoulait. Non. Et pourtant, on n'a pas marché longtemps à Versailles. Hein. C'était vraiment une mini balade. Alors, si je fais des gestes comme ça, inconsidérés, c'est parce qu'il y a des guêpes qui passent. Et là, donc il sortit avec son copain. Ils ont marché. Il l'a sur son appli du téléphone. Le nombre de kilomètres qu'il a fait. Il a marché 7 km. En fait, il m'a envoyé un message. Il me dit Je suis en train de rentrer, maman, mais j'ai mal aux jambes. Et donc, il a fait 7 km. Donc, c'est bien. Et je lui dis, tu vois. Il fait oui mais j'ai mal aux jambes, je fais oui mais c'est normal parce que comme tu fais jamais rien, puis je fais moi quand je marche beaucoup aussi, hein, j'ai mal aux jambes le lendemain, le soir et le lendemain. Et je lui dis t'as mal et j'ai fait tu vois, t'as râlé l'autre fois, tu râles des fois quand t'es avec nous, mais quand t'es avec tes potes tu fais 7 km quoi, c'est quand même pas mal. Hein. Et il fait ouais mais avec mes copains c'est pas pareil. Et en fait il l'a pas senti passer parce que voilà, avec son copain il discutait et tout. Il y a un autre qui les a rejoints après. Ah bah. Du côté de l'Intermarché qui est à ouais, plus de 2 km de chez moi. Parce qu'en fait, ils sont allés à l'araignée là-bas. L'Intermarché, c'est à tout l'opposé, donc ça va faire un peu plus de 2 km même. Enfin, 2 km 5, ouais. Donc voilà. Et les copains les ont rejoints là-bas. Après, ils sont repartis, puis eux, ils sont rentrés tous les deux. Enfin, bref. Enfin, tout ça pour dire que. Quand ils marchent, mais. Tant mieux, tant mieux. Elle m'a dit, on a beaucoup parlé, beaucoup marché et tout. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je pense que c'est important. Je l'ai déjà dit l'autre fois, mais je le redis. C'est pas grave. Donc voilà, ce sera encore un petit vlog. Bon. Sur ce, je vais sûrement clôturer. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Putain. Pourtant, j'étais faire des courses hier. Vous avez dû voir
Ouais, vous avez déjà vu le retour quand vous avez vu ce vlog-là. Son vélo là. Enfin bref. Cela dit, sur ces bonnes paroles, sur ces bons mots, sur ces propos fort intéressants. Je plaisante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'avais envie d'avoir ma salive et ça ne voulait pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bah oui, parce que demain vous allez au Livre Rocher déjà. Je vous ai dit samedi, on va chez mes beaux-parents. Dimanche. Je vous l'ai dit non? Putain, je sais plus. Dimanche, on va chez mes beaux-parents. Manger le midi. Dimanche midi, donc je ne pourrai pas filmer. Donc je ne sais pas s'il y aura un vlog lundi ou peut-être qu'il y en aura un lundi mais pas mardi. Enfin. Vous verrez, ce sera la surprise du siècle.